Le statut d'icône de la mode Kate Middleton est indiscutable. À chacune de ses apparitions, Kate Middleton est toujours impeccable. Abby McHale révèle les 8 astuces mode de la princesse de Galles pour un look parfait. Abby McHale, une experte mode, révèle en 8 points les astuces de la reine de la mode royale britannique, Kate Middleton. La spécialiste, citée dans les colonnes de The Sun la veille du couronnement de Charles III, commence avec les collants. Pour éviter les dérapages et les pertes d'équilibre à cause de l'association escarpins talons hauts et collants, Kate Middleton utilise des semelles collantes. Sa marque préférée serait Alice Beau, révèle Abby McHale. Les jupes soulevées par le vent, la sublime princesse de 41 ans en a vécu quelques-unes. Afin d'éviter de montrer plus de cuisses qu'il n'est faux, comme avec sa robe jaune Jenny Packham lors d'une tournée au Canada en 2011, l'épouse du prince William a pris l'habitude de lester les ourlets de ses jupes et de ses robes. Aussi, pour retenir ses hauts en place, la maman de George, 9 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans, opte souvent pour un body-suit. Si est-il d'ailleurs l'astuce ultime pour garder ses hauts bien rentrés dans ses pantalons ou jupes. Kate Middleton, les astuces de la princesse de Galles pour rester impeccable, pas la moindre trace des bretelles de son soutien-gorge ni du contour de ses sous-vêtements, bien que l'épouse du prince William porte souvent des robes et pantalons ajustés, voire moulants. Pour qu'aucune ligne n'apparaisse, Kate Catherine Middleton opte pour des culottes sans bordure ou sans couture. Pour ce qui est des soutiens-gorge, Abby McHale révèle que la princesse de Galles fait coudre sur ses vêtements et les choisit sans bretelles. Lors de grands événements, Kate Middleton porte des couvre-chefs qui, comme ses cheveux, restent en place, même si le temps est venteux. La femme du prince William utilise en fait des chapeaux équipés de peignes ou d'élastiques qui se placent sous ses oreilles, révèle l'experte mode. À propos de l'auteur, l'introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles, une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril.